Il y a un moment donné, si vous voulez avancer, il va falloir juste mettre votre focus sur la première marche. Ça n'empêche pas de vous occuper des autres. Mais moi, je vais vous inviter à, par rapport à votre défi, à vous dire, c'est quoi la solution? Si au fond, j'avançais véritablement. Et pour ça, il va falloir entrer dans une dimension qui, pour moi, a fait une énorme différence. C'est de penser mes objectifs en mode cerveau droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous savez, le gauche, hein, c'est un peu linéaire. Si par exemple, je vous dis, ah, je voudrais avoir de meilleures relations avec mes enfants. Tout le monde comprend. Mais si vous me demandez, Paul, imagine que ce soit le cas. Comment tu verrais les choses? Comment tu te vois? Comment tu évolues? Comment tu te comportes? Vous voyez, avoir un modèle d'ordre visuel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'écouter ma voix. Quand, vous voyez, comment je m'exprime quand je suis au meilleur de moi-même? Ça, c'est de l'auditif. Et puis enfin, d'aller capter quelle énergie je suis. Vous savez, votre système nerveux, lui, il fonctionne à 99,999% d'automatisme. Si par exemple, vous avez déjà en tête une personne dans votre famille avec qui c'est tendu, à la manière dont vous allez me parler d'elle, je peux détecter en vous qu'est-ce qui est déjà programmé. Quelle est l'organisation préconsciente et inconsciente qui va se jouer dans votre interaction avec cette personne et qui probablement va se répéter. Vous avez remarqué que vous répétez souvent les mêmes conflits? Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est que si je laisse tourner le système en automatique, ça va être compliqué de changer cette relation. Et nous, ce qu'on veut, et c'est une des dimensions qui m'a énormément aidé dans la vie, c'est d'apprendre à réidentifier ce à quoi j'aspire vraiment, à apprendre à communiquer sur ce à quoi j'aspire vraiment. Il y a une immense différence entre vous dire « j'en ai marre que vous soyez en retard » et quand vous savez, quand vous êtes à l'heure, pour moi, ça fait une vraie différence. Et si vous n'avez pas saisi laquelle, je vais vous l'expliquer. Vous comprenez? Quand vous dites à un enfant « j'en ai marre que tu laisses traîner » ton bol sur la table le matin, et quand tu sais, quand tu prends ton bol, que tu le mets dans le lave-vaisselle, si tu veux, je vais t'expliquer en quoi c'est vraiment important pour moi, si tu n'as pas encore compris. Vous sentez la différence? C'est très, très puissant. Votre système nerveux, c'est incroyable tout ce qu'il est capable de mobiliser quand vous êtes focus sur une solution.